Compass, guiding safe migration. Moi, c'est Esnouni Salma. Je fais la gestion de cas. Tout cela implique le suivi et l'accompagnement des migrants et migrantes. Moi, c'est Omar et je me focalise principalement sur les questions liées à la protection des migrants. Le programme de retour volontaire et de réintégration est pour nous un des programmes les plus importants à l'OIM. C'est celui qui permet aux migrants de rentrer dans leur pays d'origine s'ils le souhaitent. Pour beaucoup de personnes, l'expérience migratoire se passe très différemment de ce qu'ils pensaient. Le retour n'est pas forcément la première option, mais on pense que c'est très important d'avoir cette option-là au besoin. Le plus important pour nous, ça reste que le retour puisse se faire dans les conditions les plus dignes et les plus sécurisées pour les migrants. Bonjour monsieur. Bonjour. Ce que nous trouvons être le plus challenging, c'est de créer une atmosphère de confiance avec les migrants et les migrantes qui sont en majorité des personnes en situation de vulnérabilité. Par exemple, pour les victimes de traite, c'est des personnes qui se présentent au bureau de l'OIM et qu'on doit détecter leur vulnérabilité le jour même. Pour les enfants non accompagnés et séparés, le challenge est de compléter le retracement familial et de faire en sorte que le retour est la meilleure option pour eux. L'assistance ne s'arrête pas juste au niveau de pays d'accueil, mais ça continue même au niveau de pays d'origine, à travers l'assistance à la réintégration qui assure une continuité de notre travail, tout en donnant aux migrants et migrantes la possibilité de se réintégrer dans leur communauté d'origine d'une manière continue et durable. C'est Salma. Pour nous, la partie la plus gratifiante du travail, c'est vraiment de voir le changement dans les bénéficiaires. Et quand ils viennent à un autre niveau, on peut quand même leur proposer des solutions ou au moins des orientations qui peuvent les aider dans le futur. Ce qui me rend fière dans notre travail, c'est de pouvoir répondre aux différents besoins des migrants et des migrantes en situation de détresse et également de pouvoir utiliser toutes les options et tous les outils, soit en interne, soit avec nos partenaires, pour pouvoir améliorer leur situation avant et durant le retour.